Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va faire une recette de base pour réaliser des cupcakes au chocolat. Je vais vous donner les ingrédients et vous aurez les quantités juste ici ou dans le descriptif en bas. Donc, il va nous falloir de la farine, du sel, de la poudre à pâte ou de la levure chimique, du bicarbonate de soude, du sucre, du cacao, deux œufs, du lait et de l'huile végétale. Maintenant, je vous montre comment on fait. La première chose, c'est qu'on va mélanger la farine, la poudre à pâte, le bicarbonate de soude et le sel ensemble. Dans un deuxième bol, le sucre et le cacao. Et après ça, on va finir avec les liquides. Je vous montre comment on le fait ensemble. Maintenant, on ajoute l'huile et les œufs à notre préparation au cacao et ensuite, on va alterner les ingrédients secs et le lait pour réaliser nos muffins ou nos cupcakes. La pâte est prête, maintenant on va pouvoir la mettre dans nos moules à muffins ou à cupcakes. Moi, pour éviter que ça accroche dedans, je mets des petites caissettes en papier, vous allez voir, c'est super pratique. Et en plus, quand vous voulez décorer vos cupcakes, c'est plus facile à tenir, ça ne va pas vous faire de miettes dans les mains. Maintenant, j'utilise une louche et je remplis mes moules à muffins. Nos cupcakes sont prêts à mettre au four pendant 25 minutes à 180 degrés Celsius ou 350 degrés Fahrenheit. Voilà, les muffins au chocolat sont prêts. Je le sais grâce à mon test infaillible du cure-dent. Vous avez seulement qu'à le planter dedans et quand il ressort tout net, ça veut dire qu'ils sont prêts. Maintenant, vous les décorez comme vous voulez. Moi, je pense que je vais faire des décors d'Halloween. Passez une bonne semaine et à très vite. Ciao!